breast and back look healthy. Lace melty, finna take a young selfie. Yo. Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept différent. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va essayer les boubous de ma mère, c'est-à-dire les boubous de maman. Du coup, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais j'hésitais parce que je vois personne faire ce genre de vidéo. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer les boubous de ma mère, tout en sachant que moi à chaque fois je mets ces boubous. Et même la fête de Corrette passée, j'avais mis son boubou et tout. Histoire de vous donner des idées. Histoire, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire si vous avez des tenues traditionnelles que vous pouvez pas mettre à chaque fois et que vous avez votre maman à côté, vous pouvez utiliser ses vêtements et tout. Et franchement, moi à chaque fois que je fais ça, je vois que c'est trop joli. Et c'est moi, j'ai des vêtements traditionnels que je veux pas mettre à n'importe quelle occasion. C'est-à-dire, c'est des tenues extravagantes, c'est des robes avec des garnitures serrées et tout là, vous voyez. Moi, je mets ça juste pendant la fête, après je mets plus. Voilà, et franchement, je me dis que ça, c'est la gabegie déjà. S'il y a un événement imprévu et tout, je prends les boubous de ma mère, c'est-à-dire ces boubous traditionnels. Je mets ça parce qu'elle a des boubous trop simples. En plus, on a la même taille, la même morphologie. Donc là, c'est avantageux pour moi. Là, j'ai pris 10 tenues de ces boubous. Je vais vous montrer. On va mettre les tenues ensemble. J'espère juste que cela va vous plaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Ok, ça bouge pas, c'est la famille. Ok. Donc voilà ces tenues, j'ai pas tous les 10 tenues, sinon je vais pas tout garder comme ça là. Voilà, on a beaucoup de tenues et c'est trop beau. Quand je vous dis que ma mère elle a du goût, elle a de magnifiques vêtements. Non mais moi-même je suis choquée. Je lui dis mais toi mais moi j'ai pas besoin de confectionner des tenues parce que tu as déjà des tenues que moi je peux mettre. Tellement que c'est joli et c'est moderne. Du coup voilà, c'est une maman, c'est-à-dire je sais pas comment on dit. C'est une maman qui comprend, hein? Elle connaît les choses. Voilà, donc là, moi, j'aime trop ces tenues. Du coup, je vous rappelle que je ne connais pas le nom des tissus. Parce que moi, vous voyez mettre des tenues traditionnelles et tout ça. Mais je ne connais presque pas le nom des tissus. Ce que je connais, c'est juste les bazins brodés et du lépi, c'est un tissu guinéen et tout. Voilà, mais là, j'aime beaucoup ces tenues et c'est... tenue là, c'est mon coup de cœur. Franchement, je vais commencer avec cette tenue là. C'est du mélange et tout ça, vous allez voir. De toute façon, let's go mettre la tenue. On revient. Bisous, mes bébés. J'arrive. Restez là, ne bougez pas. Donc là, on a la première tenue et c'est trop beau. Vous voyez, c'est du mélange et tout là. Mais le problème est comment on va attacher le mousseau. Là, j'ai déjà noué un petit foulard à l'intérieur. Du coup, on va faire le mousseau ensemble. Ok. J'espère juste que cela va bien se passer parce que moi, je sais pas trop attacher le mousseau. Hein. Ne vous moquez pas. Je veux. Ok. Oui? Dans ma vidéo? Pose. Dans ma vidéo, bye. C'est quelle maison? Alors pour cette robe, je donne 8 sur 10. Franchement, elle est trop belle. La robe, le mélange de bazin et de brodé, franchement, c'est trop artistique. Et mashallah, je suis très fan de ce modèle. Et... là, on a la deuxième tenue et c'est trop beau. J'aime bien les grands boubous. Tout ce qui couvre le corps là, moi j'aime bien. Ouais, c'est trop beau. Et là, on passe à l'étape du mousseau. Déjà, je ne sais pas comment faire le mousseau là. Comme ça là, c'est mieux. Moi, à chaque fois, je mets comme ça mes mousseaux parce que là, c'est trop facile. Oh my god. Là, j'ai pas changé de boucle d'oreille parce que je crois que c'est beaucoup d'oreilles. Ça part avec presque toutes les tenues. Et là, je suis trop belle. Oh my god. Franchement, j'aime bien les grands boucles. Ça fait effet genre grande dame et tout là. C'est trop beau. Dites-moi ce que vous pensez de ce mousseau et de la tenue et tout là. Tout ça. C'est trop beau. Oh my god. Alors pour ce grand boubou, je donne 9 sur 10. Franchement, j'aime trop les boubous. Il est magnifique ce boubou, mashallah. Et franchement, vous savez déjà que je suis trop fan des grands boubous. Donc 9 sur 10. Il est trop beau et en plus, il est simple et la couleur est un peu osée. Donc ça va quoi. Du coup, je donne 9 sur 10. Du coup, là, on a cette couleur. Le saumon est trop beau. Je ne sais pas trop comment attacher le mousseau. Franchement. Pour
pour ce modèle, je donne 5 sur 10. J'aime trop la couleur et tout ça, mais le modèle, franchement, je comprends pas. Il est trop compliqué. Du coup, je donne 5 sur 10. Et franchement, laisse tomber, quoi. Je comprends pas. En plus, la jupe, elle est trop vaste. Donc, non. Là, on a cette tenue. Franchement, ça fait effet pull. Et franchement, ça me fait trop plaisir de porter ce genre de tenue. C'est trop beau. Les boucles d'oreilles pull et tout ça, tout ça. Je sais pas si c'est les boucles d'oreilles pull. Je crois que ça passe bien avec ce modèle de boucles d'oreilles. Franchement, c'est trop beau. Et là, je ressemble à une vraie pull. Franchement, genre, pas une pull guinéenne, mais une torodo en fait. C'est torodo, c'est une pull sénégalaise. Genre, c'est pas trop. Je vais pas dire n'importe quoi. Du coup, voilà, c'est trop beau. Masha'Allah. Oh my god, c'est trop beau, mashallah, j'aime bien cette tenue. Hein. Là, comme une poule, ok. J'espère juste qu'il y a des poules ici, ok. Alors, vous savez déjà que je vais donner 10 sur 10. Franchement, j'aime trop la tenue. Elle est trop, trop belle, la robe. C'est inspiré les masses, tout ça, tout ça. Le mélange du Pro des Bazin. Franchement, j'aime trop la tenue. Je suis trop fan de cette robe. Je crois même que je vais voler cette robe à ma mère. C'est trop beau. Franchement, je suis trop fan de la robe. Et les boucles d'oreilles, pull, tout ça, tout ça. Et la cune, elle est belle. Hein? Alors, j'espère juste que j'ai bien fait le mousse. C'est trop beau. La couleur est trop fausse, mais c'est osé. J'aime bien la couleur. Elle est magnifique. Et les vases, genre les mains sont trop évasées et tout là. J'aime bien, c'est trop stylé et tout. Masha'Allah, ok. Juste que ça ressort un peu le corps, c'est juste ça qui me dérange. Mais bon, c'est trop beau. Masha'Allah. Du coup, pour cette robe, je donne 7 sur 10. Franchement, la robe, elle est trop belle. Le modèle, les mains et tout ça, j'aime trop, trop bien. Et juste que c'est un peu yarar, quoi. Ça exhibe un peu mon corps, du coup, j'aime pas trop. Sinon, à part ça, c'est trop beau. Voilà, il n'y a pas mieux, il y a le modèle et tout ça, les décos en bas, c'est trop trop bien fait et mashallah quoi, mais bon, c'est pas trop pour moi, voilà. Alors là aussi, on a un brodé en bleu, franchement, j'aime bien les couleurs et tout ça, orange, bleu, franchement, c'est trop beau, mashallah, j'aime bien les couleurs et ça, et les trucs, les ma mère. En période de cette chaleur, vous pouvez mettre les brodés, il y a des trous, donc ça fait pas trop chaud, je crois que c'est mieux. Et moi, je me rends compte que j'ai jamais eu de brodé, c'est-à-dire moi, j'ai juste les basans, les wax et tout ça, je suis pas trop tenue traditionnelle. C'est-à-dire, moi, j'achète et confectionne les tenues, comme après, je mets ça, franchement, j'ai trop la flemme. À part la tabasque, la corité, j'ai juste des wax et tout. Sinon, le brodé, j'ai jamais eu de brodé, et franchement, c'est un tissu trop, trop beau. Franchement, le tissu, c'est trop beau, mashallah. Là, je crois que je vais acheter du brodé. Mashallah, c'est magnifique et c'est trop stylé. Du coup, là, je sais pas comment faire le... Oups, il y a le boucle qui... Oh my god. Il faut rester tranquille. Hein. Moi-même, j'en ai marre. Je sais pas comment faire le mousseau. Ce mousseau est trop petit. Du coup, je crois que je vais faire comme ça. Oh, c'est trop stylé. Hein. Genre comme ça, là. Oh my god. Là, je suis une vraie Sénégalaise, c'est trop beau. Oh my god. Ouais, nous les Sénégalaises, on a de magnifiques tenues, franchement. Du coup, là, je donne 8 sur 10. J'aime trop la robe et les manches. La couleur et tout ça. À part ça, j'aime pas trop le mousseau. Je ressemble à la tantine du quartier. Et moi, je suis choquée. Sinon, j'aime trop les décos au niveau de la poitrine. C'est magnifique. Et le modèle des manches et tout ça, franchement, il n'y a pas mieux. C'est trop beau. Juste que le mousseau là, ça me dérange trop. Mais bon. Alors là, on a cette tenue. Franchement, c'est trop beau. J'aime bien le grand boubou. Tu vois les trucs sur le cou là. Franchement, j'aime bien. C'est trop beau. C'est pas ce qu'elle dessus, mais de toute façon, ça brille. C'est trop beau. C'est du jaune et du mauve et tout ça là, du doré comme ça. Franchement, c'est trop beau. J'aime bien le boubou là. C'est magnifique. Du coup, j'ai mis des boucles d'oreilles jaunes pour ressortir la couleur qui est là. Oh my god. Et franchement, les gros boubous là, faut juste mettre des mousseaux grandioses pour que ça ressorte un peu le grand boubou. C'est magnifique. J'aime bien les couleurs matières là. Il y a du mauve, jaune et du doré. Du coup, ça brille un peu. Franchement, c'est trop beau. Et les boucles d'oreilles là, c'est pour ressortir la couleur jaune. Donc, pour ce grand bobo, je donne aussi 9 sur 10. Franchement, le grand bobo, il est trop beau. Vous savez déjà, j'aime trop tout ce qui couvre le corps. Et franchement, c'est trop beau. Vous voyez, ça fait effet grande dame. Là, je ressemble à ma mère. C'est trop beau. J'aime trop le grand bobo et les boucles d'oreilles, le jaune, les couleurs matchées.
Franchement, c'est trop trop beau, mashallah, c'est magnifique. Yep. Alors là, on a cette tenue en bleu. Franchement, je ne connais pas le nom du tissu. Si vous connaissez le nom du tissu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que c'est du palman comme ça, mais franchement, je sais pas, j'ai pas envie de raconter du n'importe quoi. Du coup, n'hésitez pas à me dire le nom de ce tissu. J'ai mis avec les boucles d'oreilles là. C'est pas les mêmes que j'avais mis avec la tenue bleue. Là, c'est différent parce que les petits brillants, c'est trop beau. Du coup, j'ai pas mis de collier histoire de ne pas trop encombrer la tenue. Et là je donne 8 sur 10, j'aime trop la tenue et les couleurs parties, le mauve, vert, je sais pas, bleu et tout ça, c'est trop trop beau. Et je trouve que mon moussour ça va bien avec la tenue et une écharpe à côté, franchement c'est trop trop beau, machallah, j'aime bien et ça fait aussi effet pull, c'est trop beau, ça va bien avec les boucles d'oreilles, donc machallah, en plus le moussour il est un peu grandiose, donc ça fait le coup. Là on a la dernière tenue, franchement c'est trop beau, c'est un bazin en noir. Et franchement, je sais pas comment on appelle ça. Du coup, j'appelle ça des décos avec des petits perles. J'ai mis mon mousseau. Je crois que ça le fait. Ok. Là, c'est la 8e tenue. Je veux pas mettre toutes les 10 tenues parce que le reste, c'était des tailles basses. C'était des courtes masses et tout. Du coup, ça a exhibé mon corps. Donc, je mets pas ces deux tenues-là. Alors là aussi, je donne 8 sur 10. Franchement, la tenue, elle est trop belle et la couleur noire et tout. Donc, à l'époque, c'était ma tenue préférée. J'aimais trop cette tenue. Du coup, j'avais même mis cette tenue pendant la fête et tout parce qu'il y a des perles au niveau de la poitrine. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est trop beau. En plus, franchement, la couleur noire, là, c'est un peu rare. Du coup, j'aime trop trop. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre tenue préférée en commentaire et likez, partagez, commentez comme d'habitude et surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Bisous.